جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن فضل العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين، أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله سيدي محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه، فهذا يدل على أن هذا الاسم الأعظم ليس لعلة من العلل، إنما هو اسم الذات المطلقة الواجبة واجبة الوجود لذاتها إلى آخره. Donc lors de la séance précédente, nous étions sur ce passage qu'on vient de lire, et là où Sayyidi رضي الله تعالى عنه Sayyidi الشيخ النظيفي رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به dit que tout l'exposé que nous avions vu et dans lequel Cheikh Tidiane رضي الله تعالى عنه a exposé, a clarifié le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire donc son nom suprême, Allah qui est le nom, le grand nom suprême apparent, Zahir, n'a pas eu de radical, donc n'a pas de étymologie. Et il a dit, donc il a dit que Fahaza, ceci yadullu, indique, montre, ala anna ka en réalité Hadha l'ism, ce nom al-Azam, qui est le plus sublime, le plus grand, sublime, laïsa n'existe pas, ou n'est pas appelé ainsi, ou n'est pas prononcé ainsi, li'allati pour une cause, mina ilali parmi les causes. Innama, rien d'autre. Ce qu'il en est, que Allah, ismu zati, est le nom de l'essence al-mutlaqa, absolue, al-wajibat, al-wujur, et dont l'existence est inhérente, l'izatiha en lui-même, c'est-à-dire en son essence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, son existence est inhérente, c'est-à-dire donc c'est lui, on l'appelle Allah parce que cela indique l'essence divine, donc l'essence qui est sanctifiée et absolue, et dont l'existence est inhérente à lui. Donc c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas existentié par quelque chose d'autre ou par quelqu'un d'autre, mais l'existence est inhérente à lui. Et donc, ce qui fait que c'est pour cela que la fois passée, lors de la séance précédente, nous avions essayé de faire un exposé, hormis ce qui a été mentionné dans le livre, sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, c'est son existence
est une chose évidente, c'est pour cela qu'on dit al-wajibat al-wujud. Quand le terme al-wajibat al-wujud, donc dont l'existence est obligatoire, c'est-à-dire le mot obligatoire, c'est plutôt évident, inhérent, évident. Pourquoi? Parce que dans le jargon des mutakallimoun, c'est-à-dire les théologiens, quand ils disent wajib, ils ne veulent pas dire obligatoire comme les fuqaha quand ils disent wajib. Mm-hmm. Les fuqaha quand ils disent, ou plutôt les usuliyoun, ceux qui sont spécialistes dans la méthodologie fondamentale de la législation islamique, eux, quand ils disent wajib, ils veulent signifier par là le caractère obligatoire d'une chose. Voilà. Et le fait que ceci, le fait de l'appliquer est un devoir aux musulmans, ou en tout cas aux mukallaf, voilà, aux responsables. Et cependant, les théologiens, quand ils disent wajib, donc tous ceux qui tournent autour de la aqida, quand ils disent wajib, ils veulent signifier par là le fait que cela est évident et que l'intellect humain, la raison humaine, ne peut pas nier, ne peut pas contredire cela. Et que, d'ailleurs, l'intellect, s'il voulait nier cela, c'est-à-dire que l'établissement de cela et que le fait que cela est vrai est une chose que l'intellect accepte naturellement. Voilà. Donc, c'est ça l'existence d'Allah, comme nous avions dit. Mais ce qui est le plus étonnant à notre époque, c'est que ce qui a été obligatoire, c'est-à-dire wajib, c'est-à-dire évident, est devenu quelque chose qui demande d'être argumenté. C'est-à-dire l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors que l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a guère besoin d'être argumenté, comme nous l'avions vu et comme nous l'avions dit au départ de l'argumentation que nous avions fait pour la démonstration de l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, nous avions dit également que Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wa salam, qui est le père des témoins des sciences de l'unitude, donc Al-Muwahhidun, c'est lui le Abul Muwahhidun ou bien Imam Al-Muwahhidun. Imam Al-Muwahhidun, donc c'est l'imam, le dirigeant, hein, l'émir de ces Muwahhidun, de ceux qui témoignent, hein, l'unitude, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit unique. Voilà. Et que lui est le précurseur de cette science qui est la science de cette catégorie que la théologie. Al-Karam. C'est lui le précurseur. Alayhi salatu wa salam. Maintenant, les savants, souvent, insiste sur le fait de ne pas trop être dans cette science, c'est-à-dire que dans le ilm al-kalam, en tout cas dans le kalam, donc cette rhétorique, ce raisonnement perpétuel, mais ceci est destiné, c'est-à-dire ces propos sont destinés aux débutants ou à ceux qui n'ont pas un bagage intellectuel et spirituel suffisant. Mais aussi, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que ce n'est pas une science dont doit s'intéresser la plupart des gens, parce que cela leur fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Maintenant, donc, ce qui fait qu'il faudrait insister donc sur le fait que le tawhid, donc la science de l'unitude, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et qu'il est vivant et que sa vie est pré-éternelle et éternelle et qu'il est toujours et qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il connaît tout, qu'il sait, donc il sait tout et il est puissant et majestueux, etc. Donc et il a la parole et qui est pré-éternel et éternel, etc. Donc tout ce qui tourne autour de cela est donc
nous apprend et nous met dans l'océan de la science de l'unitude. Voilà, pas de tarquet. Maintenant, le fait de pouvoir raisonner et de pouvoir démontrer toutes ces choses-là, comme nous l'avions dit la fois passée, est quelque chose doit être quelque chose d'évident, mais aussi doit être quelque chose de connu, au moins, en tout cas, d'être quelque chose qui est maîtrisé, au moins de la part de quelques-uns dans la société. On ne peut pas vivre dans une société où on n'a pas de mutakallim, quelqu'un qui maîtrise cette science-là parmi les musulmans. C'est pour cela qu'il incombe aux étudiants qui sont versés donc dans la science de bien se verser également dans cette science qui est la théologie. Et que Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam est le précurseur de cette science. Et le Coran nous parle de son attitude avec ses contemporains, avec son peuple, quand il leur invite à croire à Allah subhanahu wa ta'ala, mais à Allah uniquement. C'est pour cela que le Coran dit que ذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من المقنين. Et c'est ainsi que nous avions montré, nous avons fait voir à Ibrahim alayhi salatu wassalam la royauté ou la grande royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc le monde céleste. Et donc la grande royauté donc de relatif au céleste et au terrestre également. Donc voilà, malakut as-samawati wal ard. Et lui wa liyakun min al-muqinin, et pour qu'il soit également parmi les gens pleins de certitude. Voilà. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam était plein et animé de certitude. Voilà, al-yaqin. Et le waw qui est là-bas, wa liyakuna min al-muqinin, donc ce waw qu'on appelle communément chez les savants waw samina, donc le waw du huitième. Pour dire donc dans ce cas précis, pour ne pas s'étaler sur cette question, le waouh signifie là que s'il n'y avait aucun résultat ou aucun profit et bénéfice qui provient du fait que Allah subhanahu wa ta'ala a montré à Sayyidina Ibrahim alayhi salam sa grande royauté dans les cieux et sur la terre, s'il n'y avait aucun résultat, au moins qu'il aurait le résultat du fait que Sayyidina Ibrahim a.s. fait partie des gens de la certitude. C'est waouh, c'est pour ça que c'est ce qu'il fait là. Parce qu'il pouvait dire, il y a quand même le montré. Mais le waouh, il est là pour montrer qu'en réalité, au moins cela est évident comme résultat. Voilà, maintenant il y a beaucoup d'autres résultats, parmi lesquels il y a le fait qu'il fait partie des gens de la certitude. Et donc ce qui fait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam avait déjà une certitude. Donc c'est pour cela que la suite de l'histoire, beaucoup de gens ou certains qui parlent dans le domaine de la religion et qui prétendent enseigner le tawhid disent à Sayyidina Ibrahim alayhi salam, quand il dit comme falam majalna alayhi layla aw kawkaba qala hadha rabbi, donc quand la nuit tomba et maintenant il voit donc des astres et il voit un astre et dit voici mon Seigneur. Voici mon Seigneur, voici mon Maître. Mais certains prétendent pourtant, subhanallah Rabbi, faire l'exégèse du Coran ou parler de la théologie, ou plutôt des sciences de l'étude, ou en tout cas parler de la religion de manière globale, et disent que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, en ce moment-là, était en train de tergiverser et de. Voilà, était dans un doute, ou bien plutôt, quand il dit là, je n'aime pas ceux qui disparaissent, il dit que voilà, donc il était en train de suivre sa passion. Bien, subhanallah, comment on peut parler de la religion et parler des prophètes alayhi salam de cette manière-là? Ça, c'est même les bases même de cette science qu'on était en train de parler, c'est-à-dire la science de l'unitude. Les prophètes alayhi salam sont infaillibles et indéfectibles. On ne peut pas les attribuer ses vices, ses défauts, voilà, ses imperfections.
Donc Seyyidina Ibrahim Sassam, parce que le Coran même a dit, pourtant il nous a prévenu, juste au départ de l'histoire, hein, juste au début de l'histoire, il nous a prévenu que Seyyidina Ibrahim Sassam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré, sa grande royauté, dans les cieux et sur la terre, donc dans le monde céleste et terrestre, et que si cela n'avait aucun autre résultat, à part le fait, c'est-à-dire que ça a plusieurs résultats, voilà. Cela a plusieurs résultats, plusieurs profits, plusieurs bénéfices. Et que, au moins, le minimum qu'il a eu du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait montré tout cela, c'est le fait d'acquérir totalement la certitude et tout ce qui tourne autour. Donc, il y a qu'on est dans le monde. Et après, il commence à relater l'histoire. Il dit, maintenant, fala madan, vous voyez, maintenant. Après cela, quand voilà, il est en train de d'être prédicateur, hein, dans son peuple. Voilà, il dit et quand il a vu donc Kaukab, c'est un astre. Donc quand il a vu cet astre, il dit Hada Rabbi, voici mon Seigneur, voici mon maître. Mais cela, il ne l'a pas dit pour montrer que lui, il croit à l'astre comme étant son Seigneur, comme étant un divin qu'on doit adorer. Non. Mais il a montré cet astre pour, parce qu'il est parti voir les gens qui adoraient cet astre-là. Il leur disait, bon, écoutez, nous allons adorer le même divin, le même Dieu, la même divinité. Et voyons, disons que voilà, c'est ça, mon Seigneur. Voici mon Seigneur. Et quand ce l'astre donc a disparu, falama afal, qalala akbar afil. Donc quand l'astre s'est dissimulé et a disparu, il dit que non, moi je ne veux pas un Seigneur qui disparaît. Voilà, qui disparaît comme ça. Et vous voyez, et maintenant, falama al-qamara basatan qala hadha. Quand maintenant il a vu, maintenant il est parti voir les gens qui adoraient la lune. Il les a dit que mais celui-ci c'est mon Seigneur. On va l'adorer. Et quand il a disparu, il dit, si mon Seigneur ne me guide pas. Donc, mon vrai Seigneur et celui-là donc n'est pas mon Seigneur. C'est pour cela que les Mufassirouns, c'est-à-dire les exégètes. Les exégètes, oui, disent, certains exégètes disent que Hada Rabbi ne signifie pas voici mon Seigneur, mais cela signifie il a laissé le alif. Donc pour dire Hada Rabbi. Voilà. Hada Rabbi. Est-ce que celui-ci c'est mon Seigneur? Bon, maintenant on va essayer de voir. C'est-à-dire, c'est comme si il leur disait que. Ah, vous prétendez que c'est lui mon Seigneur, maintenant regardons. Voyons. Voilà. Et c'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa immit tafahumul khalidun. Est-ce que si toi tu ne fais plus partie des vivants, donc tu meurs. Donc il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les mécréants de la Mecque commençaient à vouloir sa mort. Donc son décès, et Allah lui dit de toute façon, tous ils vont disparaître, ils sont voués à mourir. De toute façon, et même si toi, tu meurs un jour, est-ce qu'ils seront éternels eux? Ouais. Donc, voilà, afa immita fahumul khalidun, Allah n'a pas dit afa immita afahumul khalidun, mais il a dit afa immita fahumul khalidun, donc il y a le hamza. Le alif donc qui est là-bas qu'il a omis et pourtant c'est une question fahumul khalidun, c'est-à-dire afahumul khalidun, et ici aussi c'est pareil hada rabbi, c'est-à-dire ahada rabbi. Maintenant il y en a d'autres donc parmi les exégètes également qui disent que hada rabbi, donc il l'avait dit juste pour c'est ce qu'on appelle le raisonnement à l'absurde. Voilà, il faisait le raisonnement à l'absurde. Il disait que voilà, voici mon Seigneur, on va regarder. Maintenant, quand il voit que le Seigneur, maintenant, celui-là qu'on est en train d'adorer, là, a disparu, il dit que, mais écoutez, moi, je ne veux pas la disparition.
Je veux pas la disparition. Et il a bâti son argumentation sur le fait que le divin là, qu'ils sont, les divinités là qu'ils sont en train tous d'adorer, que ça soit les astres, que ça soit donc les étoiles ou planètes, que ça soit la lune, que ça soit le soleil, hein? Parce que après il a dit bon, donc on va continuer la phrase d'abord. Donc que ça soit donc les astres, la lune et le soleil, Seyyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam voulait donc montrer que Allah subhanahu wa ta'ala ne bouge pas, n'est pas en mouvement. Voilà. N'est pas en mouvement. Il n'apparaît pas, puis disparaît, etc. C'est ce qu'il les a montré. Parce que quand il a dit que, maintenant, donc revenons à l'histoire, quand il a dit que le soleil, la lune, qu'il dit que voilà, c'est mon Seigneur, et qu'il a disparu, il dit, maintenant, attendez, si mon Seigneur ne me guide pas, je ferai partie je ferai partie des nombres des égarés. Donc, il faut quoi? Il faut que je fasse attention. Donc, il commence à éveiller les consciences. C'est comme ça. Donc, c'est le raisonnement. Il n'est pas venu pour leur dire que oui, Allah a fait descendre sur moi des livres, et donc il dit que voilà, je vais vous les réciter, et puis c'est le raisonnement. Il les a trouvés dans le terrain pour leur dire que on va raisonner, on va discuter, on va débattre. Voilà. On va accepter d'en discuter ouvertement et voyez, et on va voir qui détient la vérité parmi nous. Et quand il a vu le Falamara Asham Sabazratan, il dit, donc quand le soleil maintenant est apparu, et donc il est allé voir les gens qui adorent le soleil. Il dit Hada Rabbi, Hada Akbar. Voilà. Tout cela, non, vraiment, ne fait pas des divinités, quoi. C'est celui, voilà, voici mon Seigneur, voici mon Maître, et lui, il est plus grand. Donc le soleil, il est plus grand. On voit que le soleil est plus grand. Mais falam afala, quand maintenant aussi, le soleil s'est couché, donc il a disparu. De ah maintenant là wajhtu lilladhi fatara as-samawati wal-ardha hanifan wama ana min al-mushrikeen. Voilà, je me dirige vers, hein, je dirige tout mon être, toute ma face et toute mon existence vers celui qui a bâti, qui a forgé, qui a créé les cieux et la terre tout en étant orthodoxe. Voilà. Donc, devient tout, hein, étant dans le droit chemin et contre toute déviance. Je ne fais pas partie des nombres des associateurs. Je ne vais pas associer Allah subhanahu wa ta'ala à autre chose. Mais wahadou qawm, son peuple commence à argumenter, à essayer de considérer, de voir que voilà, il est, et ils sont contre lui. Il dit, mais atuhadjouni fillahi wa qad hadani. Mais pourquoi vous essayez de me convaincre pour que j'adore vos seigneurs alors que Allah m'a guidé? Wa kayfa akhafu ma ashaktum billahi wa la takhafuna an ashaktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Comment je vais avoir peur de vos divinités là alors que vous n'avez même pas peur d'adorer d'associer Allah subhanahu wa ta'ala pour des choses que vous n'avez aucun argument, aucun argument. Il n'a Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre aucun argument sur cela. Parmi nous deux là, qui mérite le plus d'avoir peur, d'être créatif? C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et cela pourrait être également la parole de Seyyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam,
دي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru fermement et n'ont pas mélangé leur croyance et leur foi d'une injustice manifeste, c'est-à-dire l'associationnisme, le shirk. C'est pour cela que, comme dans le hadith de qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le Coran donc, a parlé de ce verset-là a été descendu, donc a été révélé, les compagnons étaient un peu craintifs, étaient d'ailleurs très craintifs, peur, ils avaient peur. Ils ont dit, mais comment on peut croire sans mélanger de cette croyance à aucune injustice, alors que nous sommes des êtres humains. Donc, voué à faire des erreurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, l'injustice ici ne signifie pas toute forme d'injustice, mais cela signifie l'associationnisme. Ne voyez-vous pas quand le sage Luqman alayhi salam a dit à son fils, Inna shirka la zulmun azim. Certes, l'associationnisme est une injustice immense, énorme. Voilà. Donc, pour revenir, il dit que donc ces gens-là qui n'ont pas qui croient fermement à Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'ont pas associé ou bien qui n'ont pas mélangé cette injustice, cette croyance et cette foi à une injustice manifeste, ces gens-là ont la sécurité totale ici-bas et dans l'au-delà, et surtout donc dans l'au-delà. Et ce sont des gens qui sont guidés. Donc c'est pour cela Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullah alayhi, par exemple, parmi tant d'autres, hein, parmi les mufassirun, les exégètes, dit que al-amnu fil akhirah wa hum muhtadun fi dunya. Donc ce sont les gens qui seront sécurisés, qui auront bénéficié de la sécurité dans l'au-delà, mais aussi qui seront bien guidés ici. Bah, donc muhtadun seront bien guidés. Et voilà, maintenant, pour revenir dans l'histoire, donc on a vu globalement cette histoire-là. Et Seyyidina Ibrahim alayhi salatu wa salam nous a montré le chemin du raisonnement. Parce qu'il a argumenté par une chose extraordinaire et par laquelle nous avions argumenté lors de la séance précédente. C'est-à-dire que, hein, c'est plutôt, on pourrait dire, le principe fondamental de la dynamique. Et que nous, les Wolofs, on dit comment ou bien Balagane n'a pas fait. Voilà. Avant de répondre présent, il faudrait être présent d'abord. On ne peut pas répondre à une chose où on n'est pas présent. Donc, en disant que c'est vos dieux-là que vous adorez, vos divinités-là, ils disparaissent. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Parce que si c'était le simple fait qu'ils disparaissent qu'ils ne sont pas visibles à un moment donné, qu'ils les reprochaient, ils vont leur dire eux aussi, mais toi aussi, ton Dieu, on ne le voit non plus. On ne le voit pas non plus. Mais comment il a parlé avec eux, ils savent qu'il ne veut pas dire, il ne veut pas parler du fait tout simplement qu'ils disparaissent. Qu'ils apparaissent et redisparaissent. Et qu'à des moments où ils ne sont plus là, c'est-à-dire que l'astre, par exemple, ou le soleil ou la lune n'est plus là, ce moment-là, on ne pourrait pas l'invoquer. Ce n'est pas ça. Mais c'est le fait que celui-là disparaît, c'est-à-dire est en mouvement. Et comme il est en mouvement, donc il se couche. Donc, comme on voit, hein, l'étoile ou la lune, ils viennent, ils apparaissent à un moment donné, on les voit. Ils se couchent. Le soleil également. Voilà. Ils ont des couchants et des levants. Et donc, c'est pour cela qu'il dit que c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il leur a montré, que c'est une évidence maintenant.
accepter que maintenant que ceux-ci ne sont pas des dieux. On ne peut pas les adorer. Pourquoi? Parce qu'un dieu ne peut pas être, donc un dieu doit être quelqu'un d'autosuffisant. Il ne peut pas subir une force extérieure. Et que vos dieux-là subissent des forces extérieures parce qu'ils sont en mouvement. Celui qui est en mouvement, c'est parce qu'il a subi une force extérieure. Voilà ce qu'il les a montré. Et c'est une démonstration parfaite. Ils n'ont aucun argument à lui à interposer. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que voilà, vous voyez que ce genre d'argumentation, il nous l'a. C'est Naïm Ibrahim alayhi salam, nous l'a enseigné. Et, mais il y a aussi un autre, regardez, et sur le même principe, avec Namrouz, par exemple. Lui, il disait, c'est Naïm Ibrahim alayhi salam, lui a dit, Rabbi Yahi ou Yumit, mon Seigneur, c'est-à-dire Allah, il doit être, il est celui qu'on doit adorer. Et si tu veux avoir des preuves sur cela, j'ai une preuve irréfutable. C'est quoi? C'est le fait que Allah fait vivre et fait mourir. Allah fait vivre et fait mourir. Donc lui, c'est lui qui impose, c'est-à-dire qui fait ce qu'il veut, et donc qui fait réagir les choses, mais lui, il n'a aucune force extérieure qui s'applique en lui. Et il dit non, mon Seigneur, et Namrouz lui dit, moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Moi aussi je fais vivre et je fais mourir. Et si tu veux des preuves, ben écoutez, on va appeler deux personnes. On a amené deux personnes, il a tué l'un, il dit que celui-là je l'ai tué, donc je le tue, je fais mourir. Et celui-là je l'ai laissé vivre, donc je fais vivre. Mais regardez, encore une fois, l'importance de cette science dont on est en train de parler, c'est-à-dire la théologie. Voilà. Qui est décriée, certes, par certains savants ou par la plupart des savants, mais c'est quand cela est exagéré, c'est-à-dire que de telle sorte qu'on ne se retourne plus vers la spiritualité, vers aussi les obligatoires, les obligations et pratiques. Quand on s'en occupe trop, à un moment donné aussi, on est dans la philosophie tout le temps. Voilà, mais c'est important, cette science. Et regardez bien l'importance de cette science quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam a dit ce qu'il a dit à Namrouz. Il ne l'a pas dit, et pourtant il pouvait le dire, il pouvait lui dire, non, moi je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cette façon-là. Mais il l'a laissé. Et sur le même principe du fait que le Seigneur qui est suprême est le seul acteur, et le seul acteur, comme lui-même Sayyidina Ibrahim alayhi salam l'a dit, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a raconté dans la sourate As-Saffat, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah qui vous a créé, mais aussi vos actes et vos œuvres, voilà. Ou bien aussi, en fait, ou bien aussi, c'est quoi? Les œuvres, c'est tout dans la globalité, mais aussi particulièrement les divinités, parce que eux, ils sculptaient leur divinité, et après ils le mettaient là et ils commençaient à l'adorer. Ils me disent que, mais attendez, est-ce que vous allez adorer? Vous voyez le raisonnement? Pour montrer que ce ne sont pas des divinités. Voici, c'est ça la base de la théologie. Mais est-ce que vous allez adorer ce que vous avez sculpté vous-même? Alors qu'Allah vous a créé, et vous et vos œuvres, c'est-à-dire ce que vous aviez œuvré. C'est-à-dire Allah vous a créé non seulement vous, tous vos œuvres en même temps. Donc c'est ce qui montre que, en fait, tout vient d'Allah, c'est-à-dire que tout a été mis en place par Allah subhanahu wa ta'ala, tout a été programmé par Allah subhanahu wa ta'ala, tout vient de la volonté, de la science et de la puissance et de la force divine. Tout. Il n'y a rien qui échappe de cela. Et donc,
ça aussi, c'est un raisonnement qu'aucun sensé ne va réfuter. Personne parmi les sensés ne va se dire oui, je peux adorer quelqu'un que j'ai, parce que j'ai fabriqué. Parce que toi, cet idolâtre-là, toi, tu l'as fabriqué toi-même. Tu l'as sculpté. Mais toi, Allah t'a créé. Et ça aussi, Allah l'a créé. Toi, tu as juste fabriqué, mais Allah l'a créé. Et toi aussi, tu l'as créé. Tu as été créé par Allah. Parce que, et ça, c'est un raisonnement raisonnable. Parce que si on pouvait adorer quelque chose d'autre à part Allah, il fallait que cette chose d'autre-là soit indépendante de tout et puisse faire tout aussi. C'est pour cela que c'est impossible qu'il y ait deux dieux en même temps. Parce qu'on ne peut pas être en même temps, parce que c'est impossible. On voit bien que... C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être deux en même temps à faire tout et à être indépendant de tout, à créer tout. C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'un acte donné, quel que soit l'acte donné, ne peut pas être fait parfaitement par deux individus différents. Si l'un des individus peut le faire de manière parfaite. C'est-à-dire que les propos-là que je suis en train de sortir, de faire les propos-là, de mes propos-là, je ne peux pas être en même temps l'auteur de ces propos et que quelqu'un d'autre dans cet univers soit en même temps l'auteur de ces propos. Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, mes propos-là, c'est à moi. C'est moi qui est en train de les confesser, de les dire. Vos propos à vous peuvent être identiques aux miens. Hein? Mais ne peuvent pas être les mêmes propos. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir le même sens, etc. Mais les propos là, c'est moi qui les ai prononcés. Voilà. Je ne peux pas, par exemple, quand j'ouvre une page, le fait que j'ouvre une page, on ne peut pas être deux en même temps à le faire. Il n'y a que moi qui peux le faire. Quand je le fais totalement, ou bien quand je brûle ici, un feu a brûlé une partie d'une feuille, un autre feu, quand il vient, il ne peut pas brûler cette partie-là que le premier feu a brûlé. En fait, ça, c'est un principe fondamental. Par lequel Seyyidina Ibrahim, alayhi salatu wa salam, dit, montre aux gens qu'en réalité, il ne peut exister qu'un seul Dieu, qu'une seule divinité. Si l'acte est si compliqué que ça, si l'acte ne peut pas être partagé réellement dans la réalité, hein, l'acte ne peut pas être partagé, quand parlons de la création qui est plus compliquée. Et c'est ce qu'il leur montre. C'est ce qu'il leur a dit, Seyyidina Ibrahim, alayhi salatu wa salam. Vous ne pouvez pas nier cette évidence. Vous ne pouvez pas nier cette évidence, il leur dit. Donc, c'est ça. Maintenant, revenons, et donc sur le même principe, hein, revenons quand il applique cette même principe avec Namrud. Il lui a dit que mon Seigneur, c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Lui aussi, il lui dit, non, arrête. Moi aussi, je fais vivre et je fais mourir. Voilà, arrêtez là. Et d'ailleurs, la preuve en est que je vais te le montrer. Donc, il a amené deux gars, il a tué l'un, il a laissé l'autre. Il dit, voilà, lui, je l'ai fait mourir et lui, je l'ai fait vivre. Et pourtant, il pouvait lui dire clairement, comme nous avions dit tout à l'heure, il pouvait lui dire clairement, écoutez, non, mais je ne parle pas de ça. Je parle de la quintessence, de la réalité même, de la vie et de la mort. Parce que, on le dit toujours, nous, en Wolof, là, quand on dit, par exemple, le jour du Tabaski, ça veut dire que de la Eid al-Kubra, Kabir, de la Eid al-Kabir, Eid al-Adha,
ou plutôt de dans certaines occasions où on doit égorger, où on doit sacrifier un mouton, par exemple. Quand on dit fait mourir fait mourir en wolof, hein, réel kharam. Voilà, fait mourir le mouton. Voilà, on nous disait non, voilà, non. Parfois, on voit quelqu'un qui dit non, moi je ne fais pas mourir, hein, je tue. Parce qu'il y a une différence entre tuer et faire mourir. Donner la mort, c'est Allah qui le fait. Tuer, c'est une cause qui peut passer entre les mains des créatures. Voilà, c'est pour ça que ils disent Rayouma damay rendi. Voilà, je me tue, je ne donne pas la mort, je tue. C'est-à-dire j'égorge le mouton, je sacrifie. Voilà, il y a une nuance en fait entre ces deux-là. Voilà. Voilà. Et pourquoi? Parce que seul Allah donne la mort, en vérité. C'est pour cela qu'on voit beaucoup de choses. Et c'est vrai. On voit dans un même cas, dans un même accident, ou dans un même événement, ce qui a touché, tout le monde a touché cette personne-là, et cette personne est vivante et les autres sont morts. Ou bien, quelqu'un tombe du deuxième étage ou troisième étage, il meurt, alors que quelqu'un d'autre est tombé du huitième étage et est vivant. Ce qui montre que tout ça, ce sont des causes, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la vie et qui donne la mort. Voilà. Certains sont morts pour rien. Certains sont morts alors qu'ils ne sont victimes d'aucune maladie. Et d'autres sont en mort cérébrale, si on peut s'exprimer. Et c'est pendant des années, ou bien en commun, voilà. Pendant des années, ils servent. Voilà, c'est Allah qui donne la vie et la mort. Maintenant, quand Sayyidina Ibrahim alayhi salam, mais Sayyidina Ibrahim alayhi salam l'a montré cela, lui a dit cela, il a essayé de s'entêter. Il ne l'a pas suivi dans son chemin. Et ça aussi, ça fait partie des sagesses de la communication et de l'argumentation, des débats. Quand on débat avec quelqu'un et il essaie de s'entêter à ne pas vouloir à trouver, ou bien à essayer de trouver des échappatoires, hein, sur des questions évidentes, mais il essaie de trouver des échappatoires, il faudrait l'amener dans un terrain où il ne pourrait pas apporter d'échappatoire. Il ne le pourrait pas. Voilà. Il va être bouche bée, comme Namrout a été. Comme le Coran nous a dit, il dit faut bohitan le dikata. Il a été bouche bée, celui-là qui a mis. Et c'est quoi? Il lui dit Inna Allah yati bishamsi min al mashriq fati biha min al maghrib. D'accord. Il y a une preuve qui tu ne peux pas dire que j'ai fait ça. C'est quoi? Allah. Moi je dis que mon Seigneur c'est Allah. Si toi tu es une divinité, toi aussi. C'est simple. Allah prend, fait venir, fait lever le soleil de l'Est. Maintenant, toi, si toi tu es une divinité, toi aussi, demain matin, tu le fais lever de l'Est. Voilà. Et c'est bon. Hein? Pour faire quoi? Pour lui montrer qu'il y a Allah qui est le véritable acteur. Seul Allah est le véritable acteur. Et il est devenu bouche bée celui-là qui a mécru. Faut bouhiter le zikafar. Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. L'argumentation. Donc il faut savoir, quand on argumente, il y a
des hein, une méthode. Voilà, il y a une méthode d'argumentation. Et donc, il a bien argumenté les choses, c'est Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et le gars n'a pas vu le feu, comme on dit. Hein? Voilà. Et c'est ça. Donc, c'est ce qu'on disait qu'il faudrait, voilà, qu'on allait en parler. Et que vous voyez, c'est que la base de cette science, c'était pour dire que la base des argumentations des sciences, de cette science, c'est cela. Donc, il faudrait savoir cela. Et c'est important. Que quand on parle de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais strictement de son existence, donc qui est une évidence, mais cette évidence pourrait être niée par certains mal intentionnés. Et donc, essayer de faire valoir leur théorie, c'est-à-dire donc souvent les théories matérialistes, l'athéisme par exemple. Et maintenant, il faudrait être bien. Il faut avoir le bagage intellectuel pour les démonter, pour pouvoir, en tout cas, les terrasser dans le terrain du débat. C'est pour ça que il faut être bien armé intellectuellement. Voilà. Et souvent, et ça, cette méthode-là est plus efficace. C'est ça qui est plus efficace. Là, c'est pour ça qu'il faudrait. Il ne faudrait pas être un grand ignorant. Voilà. Voilà. Il faut toujours. Ça, parce qu'on rencontre souvent des gens. Voilà, qui peuvent te dire vite fait, moi je ne crois pas à Allah, je ne crois pas à Dieu, etc. Et souvent l'argument c'est quoi? L'argument que j'ai le plus entendu, et en réalité qui n'est pas un argument, et pourtant eux ils pensent que c'est un argument fort, c'est que si Dieu existait, il n'y aurait pas toute cette misère dans ce monde. Voilà. Et pourtant, on va aller à l'absurde. Pourquoi ils ne se disent pas que la disparité dans ce monde montre réellement l'existence de Dieu, mais aussi plutôt sa puissance et sa force de créer toute forme de choses. Ça, donc, ça fait partie des sagesses pour lesquelles le mal existe. Parce que s'il n'y avait que le bien, seul le bien existe, ce serait une imperfection dans la création. Pourquoi? Parce que c'est comme si Allah ne peut faire que ça. Alors qu'il peut tout faire. Donc il fait tout. Et montre à l'univers tout entier que je sais tout faire. Voilà. En fait, cela n'est pas un argument. C'est comme si quelqu'un qui est le père de famille et qui a des enfants qui ont échoué. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas... Est-ce que cela suffit pour dire que le père de famille n'existe pas? C'est comme si dans un pays, il y a des gens qui sont en prison. Est-ce que le fait qu'ils soient en prison montre que le gouvernement n'existe pas? En prison là, ils sont dans la misère ou quoi? Hein? Ils sont dans le bonheur là-bas. Voilà. C'est comme si, et maintenant, c'est comme si quelqu'un va chez le boulanger et qu'il lui donne du pain, qu'il ait fini de manger, etc. et qu'il revienne. Qu'il veut encore du pain. Est-ce qu'il dit que non, le boulanger n'existe pas parce que s'il existait, je n'aurais pas envie de manger du pain? Non. Exactement, le fait que le boulanger existe, c'est ce qui te donne envie d'avoir du pain. Parce que le fait que parfois on fait des rangs là et qu'on veut manger là, le pain,
et qu'on en a mangé, maintenant on n'en a plus et qu'on va le chercher, c'est ce qui montre qu'il existe. Le fait qu'il y ait la misère dans ce monde doit nous pousser à aller vers Allah. C'est ce qui montre réellement qu'il existe. En partie, bien sûr. Parce que ça, tout ça, en fait, c'est juste pour dire en fait, que leur démonstration qu'ils ont fait là, ce qu'ils devraient faire en aval, ils l'ont fait en amont. Au lieu de se dire que voilà, maintenant, est-ce qu'on va regarder en dépit de toute chose si Allah existe ou pas. C'est ce qu'on va voir. Maintenant, s'il n'existe pas, on sait qu'il n'existe pas. S'il existe, après, on va maintenant commencer à réfléchir sur ces cas-là. C'est comme celui qui dit que oui, la vie n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que oui, il y a beaucoup d'injustice dans ce monde, donc la vie n'a pas de chance, de sens. En fait, vous savez, c'est pourquoi le Coran, quand il dit que les mécréants ne réfléchissent pas, il a raison. En fait, ce qu'il a raison là n'est pas assujetti au doute, mais c'est-à-dire, ne provient pas de doute, mais c'est pour confirmer encore qu'effectivement le Coran a toujours raison. Dis que les mécréants ne réfléchissent pas. Parce que celui qui dit que la vie n'a pas de sens, je ne crois pas en Dieu parce qu'il y a beaucoup d'injustice dans ce monde. Mais regardons l'autre côté. Est-ce qu'on ne pouvait pas, supposons que la vie a un sens. Avec tout ce qui est sur cette terre, comme perfection de la création, comme la nature là, comment les choses sont bien faites, et que personne n'arrive pas à créer quelque chose qui remplace la pupille ou l'œil humain, son doigt, etc. Même une mouche, comme Allah a dit, un exemple parfait vous a été exposé. Écoutez-le. Ceux-là que vous êtes en train d'adorer, hormis Allah, que ça soit quoi? Les idolâtres matériels. Mais que ça soit tout le système-là que vous avez. Le système de la liberté, la démocratie. Bon, tout ça, il n'y a pas de mal là-dessus. Bon, ce n'est pas fait. Il y a une partie du bien et du mal. Voilà, ce qui est bien, Allah nous l'a, et le professeur Hassan nous l'ont remis dans ça. Ce qui est mal dedans, Allah les a enlevés tout simplement. Donc, mais le système en tant que tel, communisme, socialisme, démocratie, capitalisme, etc., tout ça, ce sont des divinités qu'ils adorent, eux. Voilà. Il dit que, donc, toutes ces divinités-là, ils n'ont pas créé, mais ne serait-ce qu'une mouche, les mouches-là, qui volent, ils ne peuvent pas les créer. Et même si tous, ils se seraient réunis, voilà, oui, voilà. Et je vais vous dire encore autre chose. Si cette mouche-là arrive à prendre quelque chose de. À les soutirer quelque chose, il ne pourrait pas le récupérer. Ah oui. C'est pour cela que le faible, celui qui cherche est faible, et celui vers qui on cherche aussi faible. Vous n'avez pas, ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le droit vraiment qu'il devrait. Ils n'ont pas mesuré Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste mesure. Certes, Allah est puissant, est fort et est tout puissant. Voilà. Mais pourquoi? Et on voit donc que ne serait-ce qu'une mouche ou une moustique, ils ne peuvent pas le créer. Donc, comment peuvent-ils dire que la vie n'a pas de sens parce que tout simplement il y a beaucoup d'injustice? Maintenant, écoutons. Si supposons que maintenant, avec toutes ces perfections-là, on va dire qu'il est plus quand même susceptible que la vie ait un sens réel, qu'il ne l'ait pas. Maintenant, essayons donc de supposer, de voir cette supposition.
Supposons cela. Et si on suppose que la vie a un sens, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'après la mort, il y aura... Il y aura quoi? Une autre vie? Hein? Il y aura une résurrection, une autre vie. Et maintenant, à partir de cela, parce que et là, à partir de cela, on pourrait savoir si, voilà, on va dire, voilà, maintenant, et si, on, si que cela existe réellement, qu'il puisse avoir une autre vie après la mort, comme on dort et on se réveille, parce que le sommeil est le frère de la mort, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Supposons qu'il y ait une vie après la mort. Et quand on va là-bas, maintenant, on va nous juger. Comme les religieux le disent, comme les textes religieux le disent. On va nous juger et là-bas, toute justice sera rendue. Toute injustice sera réparée. Est-ce que ceci n'est pas plus plausible? Imaginons quelqu'un qui vient dans une assemblée, qui voit 100 personnes, il les tue tous et après se donne la mort. C'est suicide. Imaginons cela. Si, dans, après la mort, il n'y a pas une vie postérieurement, qui sera gagnant, qui sera perdant? Les autres, on les a tués. Lui, il s'est donné la mort. Il n'a pas, donc, il n'y a pas de justice qui a été rendue. Maintenant, supposons que la justice sera rendue. Et d'ailleurs, dans cette vie même, on a, si on peut s'exprimer ainsi, un aperçu ou un lancement de cette justice divine. Voilà, on en a. En fait, c'est juste pour dire que, et que les mécréants, en fait, ou plutôt les impies, les incrédules, souvent les athées, etc., ils mettent ce qu'ils devraient mettre en amont, ils le mettent en aval. Au lieu de réfléchir, en fait, ils ne réfléchissent pas. Et ils sont paresseux de réfléchir. Ils ne veulent pas réfléchir. Parce qu'ils savent que s'ils réfléchissent, ils vont trouver une parade ou un problème, hein, des limites dans leur théorie. Et ça ne les arrange pas. C'est pour cela que le constat de tout le monde en est que l'athéisme est une religion entre guillemets qui est difficile, ou une idéologie plutôt, qui est difficile à tenir avec la vie. C'est-à-dire que plus on grandit, plus on est âgé, c'est pour ça que les âgés qui étaient athées, souvent, à un moment donné, ils ont des problèmes à tenir cette idéologie. Ils commencent maintenant à penser à Dieu. Rien que cela montre que parce que quand on est proche de la mort, on commence à penser à Dieu. Quand on a un problème, on dit au mon Dieu. Donc, cela montre que tout, rien que cela montre l'existence de Dieu. Voilà. En fait, mais ça, ce n'est pas un argument primaire, mais c'est un argument secondaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu pour, en disant que oui, pour les attaquants, ils vont vieillir, ils pensent à Dieu. On ne peut pas démontrer ça par ça. Mais après avoir démontré, on peut quand même donner ces arguments pour plus encore donner le poids à l'argumentation. Voilà. Et maintenant, il peut y avoir juste un seul problème. Un seul. Qu'ils peuvent nous dire pour dire que la vie antérieure, postérieure n'existe pas. C'est de dire que quand nous serons morts et que tout sera sur terre et mélangé avec la terre, donc il y a la désintégration de nos corps, comment pourrons-nous revivre, hein? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré aussi, il nous a dit dans le Coran, et ça aussi c'est une argumentation, c'est vrai, c'est un verset coranique. Mais c'est une argumentation logique. Il nous a montré le chemin de cette argumentation. Il dit, « Qul man yuhyil 'izam,
قال من يحيي العظام وهي رميم يقول كل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Le mec rien dit, c'est lui qui va faire revivre les os, les squelettes, après qu'ils soient désintégrés. Dis-leur que, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui va les faire revivre, c'est celui qui les avait créés en premier. Voilà. Et il est savant de tout. Il a une science parfaite pouvant créer cela. Mais le fait de le créer au départ est plus compliqué que le fait de le réunir à nouveau. Il les a créés au départ, ce qui veut dire que si, après, il peut le faire revivre encore. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Voilà. Donc, voilà, donc on peut s'en tenir à là, hein, sur cette argumentation et cette, en tout cas cet exposé sur l'importance de la théologie et surtout l'importance de la divinité, de montrer en tout cas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique dans sa divinité et que réellement cela existe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et que tout ce qu'il nous a dit dans la vie postérieure aussi va exister et que lui-même se fera, il fera justice. Et que cette argumentation-là, il faudrait bien le maîtriser. Voilà. C'est pour ça, comme je l'avais dit dans la séance précédente, je n'ai jamais vu un athée qui a tenu devant l'argumentation du fait, c'est-à-dire de ces argumentations-là. Voilà. Quand un athée vient, il essaie de dire des choses là. Mais quand on les montre que la preuve qui montre qu'Allah existe, c'est l'existence même des autres choses. Voilà. Et l'existence de toutes choses pointe vers l'existence de son créateur. Comme nous l'avons dit. Ce fauteuil, là, même si je ne vois pas le concepteur, le fabricateur, je peux jurer sans me tromper qu'il existe. Je ne le connais pas, mais il existe. Voilà. Cet habit-là que je l'ai porté, je ne l'ai pas tissé. Mais j'en suis sûr et je peux jurer qu'il existe quelqu'un qui l'a tissé. Parce que sinon, il ne peut pas se faire soi-même. Il ne peut pas se tisser soi-même. Voici, c'est une preuve irréfutable de l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Cet univers a été créé par Allah et toute chose aussi ne peut pas se faire soi-même. Donc il y a quelqu'un qui les a mis en place, qui les a fait, qui les a existenciés. Rien que l'existence du temps. Parce qu'on n'a pas. En fait, il y a plusieurs formes de démonstration de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'existence du temps le montre, mais avec une autre démonstration, mais le temps ne va pas nous le permettre. De même que l'existence de l'espace, etc. Bon, de toute façon, ce qu'on avait vu lors de la séance précédente et ce qu'on a vu aujourd'hui comme base, même fondement avec Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui est l'imam donc des Mouahidoun, nous montre que largement suffisant, sur cela. Et ceci dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'entamer le mois de Shawwal. Et donc la fin du Ramadan, par les voies spirituelles les plus élevées, et qu'il nous permette également, qu'il nous pardonne également tout ce qui a été comme imperfection dans ce mois béni qu'on vient de. Voilà. Et qu'il accepte nos jeûnes et qu'il accepte nos prières, qu'il accepte nos invocations et qu'il nous résout tous nos problèmes, soucis, difficultés, etc. Et qu'il nous fasse accéder à lui-même et par lui-même. Et qu'il nous donne un amour indéfectible
envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers ses chers étudiants de la Bible, envers tous les saints. Wallahu ta'ala alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم لآلب كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد وأنت الذي للعابدين وقانتين والراكعين الساجدين العطارد كفيت بإلباس الشريعة سترة حقيقتك الأصفى فسرت مساجد جليسكم قد نال خيرا مضاعفا ومنكركم يشقى عن الحق حائد.